Salut à tous, bienvenue dans Chamline pour un nouvel épisode. Nous voilà de retour à la maison pour une nouvelle ligne que je n'ai clairement jamais ridée, qui a été ridée qu'une seule fois. Et c'est avec Romain Grosjean qu'on va passer cette journée. Et on a la chance d'être entouré par les deux personnes qui ont ouvert cette ligne il y a 2 ans. Doudz, Charlet et Vivian Bruchet qu'on va rejoindre tout de suite. Alors les gars, on est fin prêt. Ah, on est fin prêt. Voilà. Ah, c'est eux qui nous emmènent. Ça va les clients? Qui nous emmènent. qui nous emmènent rider leur ligne. Alors la suite, descend un peu, on traverse, on va au col en face. Ouais. Après on descend derrière, la ligne elle est juste derrière ce pilier là. D'accord. Je ne vois pas, elle est cachée par le pilier. Et maintenant, on va plonger dans un petit couloir pour retrouver le glacier du Nant Blanc. Là-dessous quoi. Et Doudz, il est hyper fort en jeté de corde, il est connu dans toute la vallée pour ça. Non, Doudz. Et tu souris à la caméra. Bon, faut quand même savoir que Romain a jamais fait de montagne. C'est un putain de skieur. Mais j'avais mis les crampons, j'avais fait de piolet, j'avais fait de rappel. Donc ce qu'il fait aujourd'hui, c'est juste dingue. Ça, les sensations de malade. Ah ouais. C'est grave. Ah, c'est impressionnant. Ben voilà, on est sur le glacier du Nant Blanc, comme vous pouvez le voir. Maintenant, c'est direction le sommet pour atteindre le fameux couloir Gigor. C'est parti. Sympa ton petit passage. Moi ça me rappelle vaguement quelque chose là cette équipe. Ouais. Premier épisode de Chamline de la saison 1, couloir des Télars, avec Doudz et le Vive. Premier Chamline, 55 degrés. Essaye pas de tomber quoi. Non, il faut pas là d'ailleurs. Easy hein. Ça pique là, c'est bon ? Ouais. Tranquille. Ouais.
Et voilà, le Frigor derrière nous, ligne de dingue. Avec Romain qui l'a fait. Et il s'est employé. Hein. Mais par contre, dès que tu lui mets les skis au pied, bah il n'y a plus de problème quoi. Donc c'était juste des démons. Vive. Merci. Merci d'avoir ouvert cette ligne il y a 3 ans. Doudz, il en a profité un peu plus bas. Mais pareil mon Doudz. Hein. Ah c'est bon. Et maintenant, on va longer les drues jusqu'à la mer de glace. On sort par où là? En fait, on essaie de traverser au maximum, rejoindre l'ancien chemin de la Charpoix. Ils ont installé une mine de rappel. Donc logiquement, en deux rappels de 50, on arrive sur la mer de glace. Vraiment que tu lui tiennes la corde. À 18h, hein, c'est pas si pire. Hein.